Salut à tous les amis, c'est Alex Tech et on se retrouve après une longue absence. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto cinéma 4D. On va commencer à entrer un petit peu dans l'animation. Et je vais commencer de manière assez simple en vous expliquant comment faire un coffre qui s'ouvre et qui se ferme avec l'animation. Donc là vous voyez que j'ai le modèle de coffre que je vous avais déjà appris à faire. Donc vous voyez qu'ici il est un seul morceau, donc on va devoir le modifier un petit peu. Alors pour ça, une notification, excusez-moi. Pour ça, on va devoir, je vais vous expliquer avant quand même, hein. Donc on va devoir le diviser en deux parties, et ensuite régler les points comme il faut pour la rotation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas me prendre la tête avec des outils à faire prendre le truc, le cisailler, ajouter des, voilà. On va créer un nouveau, on va créer deux cubes qu'on va mettre à côté. Mais le seul petit truc, c'est que je sais pas pour l'instant. À quel niveau s'ouvre le coffre? C'est-à-dire, je sais pas s'il s'ouvre au-dessus ou en dessous du truc noir. Bon, je vais aller voir tout de suite, hein, excusez-moi. Ah, donc vous voyez le magnifique fond d'écran fait justement avec Cinema 4D et Photoshop par Falco. Enfin, Cinema 4D par moi et Photoshop par Falco. On va essayer ça. Alors. Ah oui, enfin, ne prêtez pas attention au bazar qui est sur ma map, hein, parce que je me suis amusé hier soir. Hein. À spawner des mobs partout, donc j'avais une guerre entre des golems de fer avec des zombies. On s'en fiche. Alors, je veux un coffre. Ici. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre? Il s'ouvre juste au-dessus. Voilà. Donc, je dois juste prendre une petite screenshot à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais quitter. Bon, Minecraft, screenshot. Voilà. Hop. Je retourne sur mon cinéma 4D et je vais regarder un peu ma screenshot. Oula, il y a un bug. Ah, voilà, c'est bon. Alors, j'ai l'impression que. Donc, vous voyez ici, on sait pas d'où est-ce que ça peut venir. Je sais pas d'où peuvent venir les carrés noirs qu'il y a dedans. Donc je vais aller regarder si ça se trouve, s'il y a peut-être un fichier modèle 3D dans le Minecraft.jar. On va aller regarder ça tout de suite. Hein. Faut fouiller un petit peu hein, pour trouver les bonnes textures. Parce que j'ai pas vraiment regardé. Hein. Il est peut-être dans le terrain pour PNG, mais il me semble pas l'avoir vu. Donc on va aller sur Iter, on va voir. Hein. Large chest. Ah, large chest. Non. Ah, intéressant, on a les textures ici déjà. Donc on va prendre un chest normal. Et là, c'est intéressant, dites-moi. On a toutes nos textures ici. Donc j'aurais pu appliquer ça sur le terrain.png. Enfin j'aurais pu, enfin sur notre bloc. Mais étant donné que c'est à peu près le même, je me suis dit on va pas se prendre la tête à tout remettre à sa place et tout le bazar. On va. Eh mais attendez, je suis en train de me poser une petite question là. Je vais quand même l'extraire un petit peu. Parce qu'il me semble que j'ai vu qu'il ne fait pas la même taille. Enfin, que la texture n'est pas la même, il me semble. Je vais pas me regarder sur la texture du dessus, notamment. Et oui, écoutez, ce n'est pas la même texture ici. Ce n'est pas du 16 fois 16, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si, c'est le du 16 par 16 quand même. Mais on dirait que il y a un truc différent. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout compte fait faire diviser ce cube. On va en recréer un nouveau avec une nouvelle texture. Donc je vais charger ce petit truc là sur le bureau, merci s'il te plaît. Oui, donc j'ai installé Brickforce récemment, hein, j'ai réussi à l'avoir. Youpi! Ici. Juste. Oh oui, c'était un plaisir, vas-y. Alors, ici, voilà. Voilà, donc maintenant on va créer un nouveau bloc. Ici. Voilà, donc on va le garder en taille normale pour l'instant, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Alors, donc, on va commencer par le descendre, étant donné qu'il faut. Pour l'instant, je vais le mettre à la même échelle. Donc, étant donné que sur cette petite texture, je vais quand même activer le alpha sur ma texture pour éviter que, je sais pas, il peut peut-être y avoir des problèmes sur quelque chose. Je préfère le faire au cas où. J'ai désactivé, oui, c'est bon. Alors, ce que je voulais voir, moi, c'était. Faut que j'appuie sur un carré parce que là. Un cube. Ah, super.
Pas moyen de plus sur un plan. Ah, si, bah voilà, tiens, un plan. Alors, ce que je voulais voir, moi, c'était. D'accord, il faut prendre l'image normale. Donc, l'image normale. Ici. Alors, la texture. Donc, logiquement, ça fait qu'il faut que. Là, je vais faire la face du dessous. Donc, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De faire 10 blocs. Donc, 10 fois 12,5. Allez, un truc de. Voilà. Alors, 10 fois 12,5, on va commencer par faire la taille du cube. Alors, donc taille Y, ça fait 10 fois 12,5. Ici. Donc là, on va voir le bas du coffre. Alors, là, on est bon. Oui, on est bon. Alors, je vais lui appliquer ma petite texture. Voilà, merci. Alors, oh là là, c'est pas beau. Donc, l'échantillonnage, il doit être donc à 10, à 10 cubes. Il me semble que oui, ça fait 10, enfin 10, 10 pixels, pardon. Donc logiquement, longueur X, longueur Y, je vais le mettre. Si je fais un x10. Non, c'est pas ça. 500 peut-être. Bon, vas-y, on va le laisser à 100. Bon, bah écoutez. Ah non, je suis bête. Faut que je règle aussi ici. Logiquement ici c'est x16, logiquement. Non, je ne dirais pas. Ouais, non, c'est peut-être pas ça en fait, hein, je crois. On va essayer de laisser. On va réduire un petit peu pour voir. Ouais, attention. On réduit à 100. Non, c'est pas encore ça. C'est assez embêtant. Alors, on va remettre tout ça à 100. Voilà, merci. On va essayer juste d'augmenter les carreaux. Ah bah non, les carreaux, je suis bête. Ah si, on va mettre des carreaux. Voilà, on va faire avec des carreaux. C'est beaucoup plus simple de mettre des carreaux. Donc tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait approximativement. Tu mets qu'un seul carreau, merci. C'est qu'on veut qu'il y ait en X. Donc logiquement, il y a 16 pixels, donc on va mettre 16. Et qu'en haut il y en a 10 logiquement. Ouais, bah ça va être un négatif alors. Je fais des essais parce que. Wouhou! Ah, c'est marrant. Hein. Faut avoir une chaîne de production, c'est. Bah, si vous voulez faire une salle avec plein de blocs, faut. Voilà, enfin, c'était pas ça donc. Alex Tech se fail, hein, parce que ça fait. Je vais vous dire un truc, la dernière fois que j'ai fait du cinéma 4D, c'était pendant les vacances. Donc pendant mes vacances. Si, étant donné que j'ai repris fin février, voilà, la reprise était à peu près, je sais plus, dans ces eaux-là, je crois. Voilà, la reprise c'était là, j'ai pas fait de cinéma 4D depuis ce moment-là. Donc voilà, je commence un petit peu à oublier, malheureusement. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Donc écoutez, on va faire à l'ancienne, hein. Longueur X, allez, c'est parti. Voilà, 460 et la longueur Y beaucoup plus longue. On va aller beaucoup plus longue, merci. On va la décaler en bas. C'est quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. À 10, on va mettre, on va réduire un petit peu. Où est-ce que c'est cette texture là? Ça va être assez chiant, mes chers amis. J'annonce, ça va être assez embêtant de faire ce coffre là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, écoutez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire pour pas avoir à se prendre la tête à faire tout ça? On a déjà combien de temps là pour voir si je recommence ou pas? Bon, très très bien. Donc, vous voyez qu'en fait on va se galérer à faire tout ça. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va tout simplement, ça ira beaucoup plus vite au final si on va sur Photoshop. On va quitter Cinema 4D, on va aller sur Photoshop, on va pas se prendre la tête, on va découper chaque texture et la remettre comme ça, pas de prise de tête, et on va faire ça tout simplement.
Et au moins, il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, voyons voir. On va... Tiens, je vais supprimer, tiens. Voilà. Des rooms que j'avais essayé de mettre sur mon iPod Touch, mais... Oh, mais... Conneries. Voilà. Donc... Hop. Ici. Voilà, on va découper tout ça. Et le replacer sur des images... uniformes pour chacun d'eux. Donc écoutez, je vais faire tout ça en avance rapide. Et on se retrouve juste après. Re chers amis, eh bien nous voilà de nouveau sur Cinema 4D. Donc déjà je vais charger tous mes matériaux. Donc je vais y faire un petit test, je sais pas si ça marche. Je vais essayer juste de les importer directement sans avoir à créer toutes les textures. Donc j'ai créé un petit dossier, si je le retrouve, il est là. Alors vous allez voir en même temps que je me suis un peu fail. C'est-à-dire en fait j'ai inversé les côtés hauts et les côtés bas, mais bon c'est pas grave, on saura que c'est inversé maintenant. Oui, si tu veux. Oui. Fais-toi plaisir, vas-y. Ah bah voilà, ça marche bien, génial. Juste à modifier tous les paramètres maintenant. MIP 100. 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 Putain, voilà, MIP 100, MIP 100, MIP, ça veut plus rien dire. MIP 100 et MIP 100! Voilà, bon. Plus de problème. Je vais arrêter toutes les spécularités maintenant. Ah, parce qu'un coffre ça brille pas, je crois. À moins qu'il soit ciré, mais. Le nôtre ne sera pas ciré. Désolé de vous décevoir. Voilà. 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 Hop. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement commencer à modéliser notre coffre. Donc, j'avais dit qu'on va faire un petit cube. Qu'on va changer la taille. Donc, Y, j'avais dit, je sais plus comment ça c'était. Donc, ça va être du 10 fois 12,5. Parce qu'il me semble bien que le côté fait 12,5, il me semble, la largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non, il fait que 14, 15. Moi, je pensais pas, tiens. Voir un petit peu l'image, je peux. Hop, merci. Mais fais-moi le dossier, pas l'image. Oh, il est nul. Une propriété. Et il fait 14 le cube. Donc écoutez, vu qu'il fait 14, on va régler sa taille. Donc du coup, il fera pas la même taille. Il va faire 14 fois 12, oui, j'ai pas envie de calculer, hein, je vais prendre la tête. Donc il va faire 175. Voilà. Donc là, la taille de notre coffre qui est fin prête. Maintenant, j'ai juste à trouver le bon truc. Côté haut, il faut les côtés bas. Ah, côté bas, on a un côté bas ici. Problème! Ouais, c'est un peu mal placé là. C'est juste que c'est de la merde. Ah, bah d'accord. Ah, oui, c'est vrai, je suis bête côté. C'était côté haut. Voilà, je me suis embêté. C'est un côté haut que je veux. Voilà, côté haut. Voilà, là ça se met bien. Donc.
Donc vu qu'on en a 4 et que je sais pas s'ils sont différents, on va en les placer au hasard. Donc côté bas, côté bas, côté bas avant, côté bas, côté haut. Donc on va avant de le convertir en mèche, par contre je vais ajouter quelques segments. Pourquoi j'ai ajouté quelques segments? J'ai ajouté 14 segments, donc un par pixel. Donc dans tous les sens possibles et inimaginables. Non, il y en aura moins du coup, il n'y en aura que 10 en Y, étant donné que c'est la hauteur et qu'il n'y a que 11 pixels de hauteur. Et là, je vais rajouter un 4. Voilà. Comme ça, on pourra faire les modifications pour pouvoir créer, enfin le creuser à l'intérieur. Sauf que là, il y a une coupe dans le pâté, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord, je sais pourquoi. Le haut, il faut voir que je le modifie. Donc voilà, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est le convertir en mèche. Bim, voilà. Alors, donc là, on a ça qui est bon. On a déjà une face qui est faite. Donc là, j'ai un deuxième côté de haut. Donc je vais commencer à passer en sélection de face. Alors là, je vais prendre le petit outil comme ça. Outil qui va me permettre de sélectionner plusieurs faces. Donc en fin de compte, il faut se placer de manière à ce qu'il sélectionne que ceux de la face, donc bien au-dessus. Et ensuite, on va cliquer ici, on va passer dessus comme un port, de manière à ce que toutes les petites facettes soient orange. Et on vérifie bien après que tout n'est pas. Voilà. Donc là on est bon, donc là du coup ça va être la face intérieure du bas, donc logiquement c'est celle-ci, intérieur bas, donc on va le mettre ici. Voilà, là on a l'intérieur. Donc maintenant on va faire pareil de chaque côté, hein. Donc on désélectionne. Alors on va sélectionner ça comme un port, c'est parti. En fait c'est comme de la peinture, on passe partout. Voilà. Tiens. Ah oui, je suis bête. Donc là, on va mettre un deuxième côté bas. Hein. Côté haut 2, on va mettre celui-ci ici. Ah, c'est les mêmes, je crois. Eh bien, mes amis, je suis heureux de vous informer que Alex Tech s'est pris la tronche pour rien une fois de plus. Fantastique. Donc, bah écoutez, on va changer de mat. Hein. On va prendre le mat avant, côté haut avant. Voilà. J'ai remplacé comme ça là ici j'aurai la face avant du coffre. Voilà. Donc maintenant il me faut le côté bas. Le côté bas, il est là. Non, c'est la face haute celle-là. Il faut la face basse. C'est la face, c'est celle-là. Bas. Alors, donc là, on va prendre encore une fois notre petite peinture. Enfin, oui, peinture, voilà. Je me comprends. Hein. On va brusher ça comme un port. Allez, 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 allez. Merci. Hop, on vérifie bien qu'il n'y a pas de bavure. Y a pas de bavure, on va appliquer celle-ci. Voilà. Oula, ici il y a une bavure, il me semble, à moins que ce soit une couille de rendu. Ouais, il y a une bavure ici. Qu'est-ce que c'est que cette bavure? Pourquoi est-ce que j'ai cette erreur? Est-ce qu'elle apparaît déjà sur l'image normale? Non. Donc je ne sais pas d'où vient cette erreur. Est-ce que si je supprime la texture, il y a encore? Oui, il y a encore. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est la texture qui est appliquée par défaut dessus qui fout la merde. On va supprimer cette sélection de polygone, on va essayer de la resélectionner. Dessus, on va essayer de le réappliquer tranquillement. Ouais, bah écoutez, j'ai envie de dire. C'est pas bien dérangeant étant donné que c'est en dessous. Donc si vous voulez la corriger, tout ce que ça va faire, c'est à prendre cette texture-là. Et alors, et à l'enlever, enfin, à l'enlever, elle a réappliqué sur toutes les faces une à une. C'est simple. Enfin, à l'enlever, elle a réappliqué sur ces trois faces. Donc je vais le faire pour vous quand même, pour vous faire plaisir. Hein, voilà. Donc là vous voyez que du coup notre bug. Oula, effectivement il y a encore une couille dans le pâté là. Ah, je sais pourquoi mes chers amis, ce n'était pas la peine. Voilà. Alors le problème il vient du fait que j'ai mal fait ma sélection. Donc on va la refaire, étant donné que j'ai pas dû brocher ces endroits-là. Donc ce n'est pas un bug, c'est Alex Tech qui a encore fait de la merde. Voilà. Donc je vais recommencer à sélectionner en vérifiant bien que j'ai tout sélectionné. Voilà, tout est bon. Ouais, c'est bon. On va réessayer et là on n'a plus de problème. Voilà. Donc maintenant, on va ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, la passe du bas elle est terminée. Donc on va la cacher. Cacher. Et on va s'attaquer à la face du haut. Alors la face du haut qui est plus petite, elle fait que 5 pixels de hauteur. Donc c'est parti. Donc ça va faire 5 fois 12. 5 ici et là, donc ça va toujours faire. C'est vrai, ça fait ça. Ça me paraît bizarre. Oui, c'est bon.
Alors, donc là, ça va nous faire du coup 175 comme d'habitude. Et là, 175, 15 comme d'habitude également. Voilà. Donc, je vais également faire la même manipulation que tout à l'heure, si vous voulez bien me le mettre. Ah, voilà, merci. Alors, je vais déjà commencer par appliquer le premier côté bas. Donc, évidemment, je suis sûr que c'est encore une fois tous les mêmes. Et voilà, je l'avais. Ah non, il y a une différence parce que c'est. Bon, écoutez, on va en l'appliquer, hein, puis on verra bien si c'est vraiment différent, on changera. Donc là, j'ai appliqué le premier. Alors, vu que maintenant les pixels sont là, je vais pouvoir en profiter pour foutre mes segments en plus. Donc, je vais mettre un 4. Voilà. Dans le Y, je vais mettre un 4. Non, ici, du coup, je vais en mettre que 5. Et ici, je vais en mettre donc un 4 également. Voilà. Donc maintenant, on va faire de même que pour l'autre. Conversion en mèche. Voilà. On va sélection de la face, ça c'est bon. On va maintenant placer la texture du haut. Alors, la texture du haut, c'est parti. Voilà, tout est bien sélectionné. Il n'y a rien. Aucun débordement normalement. Ouais, c'est bon. Alors, le haut. Face haut, c'est ça. On va le mettre ici. Voilà, tout est bon. On fait la même en bas. Donc, c'est parti. Voilà. Intérieur haut, c'est ça. Voilà, tout est bon. Et là, on est déjà pas mal. Alors, maintenant, on va placer l'empreinte du loquet. Donc, je vais remettre l'autre du coup. Je vais le lever plus haut. On sélectionne tout l'objet, bien évidemment, pour pas que ça fasse un gros bizarroïde. Là, je vais passer comme ça pour bien assembler les deux morceaux ensemble. De manière à ce qu'il se touche très exactement. Voilà, ça devrait suffire. Bon, on va voir si ça fait des problèmes sur le rendu. Bon, on a une petite faille entre les deux, mais ça me plaît pas. Donc, je vais régler ça. Bon, mais vu que ça va être assez chiant, on va tout de suite s'occuper de la texture et après, on fera l'axe de rotation avant de le replacer correctement. Donc, on va repasser en mode sélection. Ici, la face, la petite truc comme ça, et là, voilà. C'est bon. Et là, c'est bon. Alors, le loquet, il est là, ici. Et voilà, là, on est bon. Donc, maintenant, je vais régler l'axe de rotation, ici. Je vais le placer. Par rapport à ça. Voilà. Par rapport à ça, je vais le placer beaucoup plus bas. Voilà. Je vais le placer exactement au point de intersection. Voilà. Maintenant, j'en profite pour replacer les deux trucs. Au zoom vraiment maximum parce que je suis maniaque à ce niveau-là. Tout ce qui est niveau, tous ces trucs qui doivent se toucher, je suis assez maniaque. S'ils doivent se toucher, ils doivent se toucher. Voilà, c'est. Alors du coup là, la face. Attendez. D'accord, ok. La face celle en face du Z, donc logiquement. Ouais, d'accord, elle doit être de ce côté-là. Oups. Elle doit être sur cette face-ci. Donc voilà. Hop, je règle mon point de rotation. Hein. Donc en le déplaçant, en cliquant là sur la flèche ici. Ensuite, est-ce que c'est bien calé? Non, vous voyez qu'il est encore mal, il est bien calé sur le Z, mais il est mal calé, enfin, il est mal calé sur le Z. Voilà, là, il est parfaitement bien placé. Donc maintenant, vous voyez, si on va sélectionner en entier, on va faire une petite rotation. En prenant ce cube-là, vous voyez que si on va faire comme ça. Et hop là, voilà, il s'ouvre. Voilà. Alors maintenant, pour finir, on va s'attaquer au loquet. Donc le loquet, je vais pas le faire entièrement avec les textures de l'image. Je vais reprendre celui que j'avais fait sur le précédent tutoriel. Et je vais le revenir le placer ici, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc
Je vais. Moi je vais ouvrir ça. Voilà. Alors, vieux fichier que j'avais fait. Hein. Hop, bloqué, contrôle copier. Fermé. Non. Contrôle coller. Où est-ce qu'il est le petit loquet? Il est là. Alors déjà je vais mettre position. Tout repasser à 0. Hop là. Rotation 0 également. Voilà. Comme ça, je vais venir le placer beaucoup plus devant. Alors je sais plus s'il augmente de 1 ou de 2, je vais quand même vous retirer ça pour regarder. Non, il fait vraiment que 1, donc c'est pas bien dérangeant. Alors, on va le remonter un petit peu. On va le placer comme il faut. Alors, le replacer comme il faut, ça devrait pas être trop difficile logiquement. Hein. Étant donné que j'ai un petit quadrillage qui va m'aider logiquement. Ah non, parce qu'il n'est pas la même taille. Donc j'ai pas l'impression qu'il n'est pas la même taille que le quadrillage. Et qu'il est également mal cadré, donc ça c'est assez chiant. Alors je vais replacer son centre de gravité, hein, mes chers amis. Alors déjà, vu qu'il n'est pas converti en mèche, je vais le convertir pour pouvoir également avoir. Ah si, il est en mèche, déjà bloqué. Je casse. Donc je peux pas le convertir, enfin je peux pas le modifier, ni du coup modifier. Si ça je peux le faire, c'est déjà fait de gagner. D'accord, il n'y a même plus la texture, hein. Il manque une texture ou quoi là? Ah d'accord, je sais pourquoi. On va le retourner. Donc si vous savez pas, si vous savez plus comment on fait le loquet, vous retournez voir le tutoriel précédent, enfin le premier tutoriel pour le coffre. Je sais plus si il y a l'épisode. Hein, mais... Vous trouverez bien, hein, c'est pas difficile à trouver. Hein. Vous allez sur la chaîne et vous regardez dans la playlist, hein, normalement, et il y est. Donc je vais devoir le redimensionner, étant donné qu'il n'est pas à la bonne échelle. Hop, petit scale, je vais déjà sélectionner. Ouais, au pire, je vais agrandir la face, ça ira beaucoup plus vite. Alors, déplacer la face, déplacer, déplacer. Hop, voilà, à peu près comme ça. Je vais en même temps le replacer. Bon, il est à peu près pareil là. Ouais, c'est à peu près bon. Niveau hauteur, on n'est pas encore bien calé, mais je pense que. Ah, super, j'ai pas l'image de où ça arrête. Ok, super. Donc, il dépasse de combien? Il dépasse de. Il n'y a que deux qui dépassent très exactement. Donc, on va se caler sur l'image du jeu. Donc, dans la logique des choses, il n'est pas assez long. Donc on va devoir le rallonger du bas. Jusqu'ici. Voilà. Là, il est assez rallongé logiquement. Et donc... Logiquement... Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Pas trop le déplacer quand même. Oh mais putain. Excusez-moi pour la vulgarité mais ça m'énerve. Donc je vais maintenant venir le placer bien de manière. Ouais, prendre le haut. Hein. Il est là le loquet, je l'ai trouvé. Donc je vais déjà replacer le centre de rotation. Hein. On va pas le placer dans le sens. Horizontal, mais je vais juste le replacer dans le sens vertical pour pouvoir mieux le caler. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va devoir se faire. On va renommer. Hein. Donc là, ça va être le bas. Et là, on va dire que c'est le couvercle. Et alors maintenant, je vais faire deux neutres. Premier neutre. Alors le premier neutre qui va être donc le premier neutre que je vais devoir placer logiquement. Enfin, il c'est pas impératif de le placer, mais je préfère le placer de manière à ce que au moins je sois sûr que tout va bien. Enfin, remarque, je vais quand même essayer de pas le placer. On sait jamais. Si ça se trouve, c'est pas la peine. Hein.
Parce que là, en fait, vous allez voir que si ça se trouve, si je le fais pivoter. Voilà. Problème. C'est un peu gênant. Donc, on va devoir enlever tout ça du loquet. Et replacer le loquet, bien que ce soit assez chiant. Donc, pour placer le loquet, on va pas être. Enfin, le neutre, on va pas être stupide. On va prendre la position du couvercle. Donc, la position du couvercle qui est définie par celle de son point comme ça, enfin de son point d'ancrage, hein, on va dire ça. On va lui mettre la même. Donc, le couvercle, il est à 87,5 en Z. Donc, Z 87,5. Ici. Ça va être dans le négatif. Voilà. Qui est à 62,503 en Y. 502,503. 502,63. Donc c'est ça. Non, ça va pas être ça. 62. J'ai inversé. Alors, 562,503. Je crois que c'est ça. Voilà, ils sont en même position. Et le loquet, on va le mettre dedans. Neutre. Voilà, logiquement, là maintenant, si je fais tourner mon neutre, hop là, tout s'ouvre. Schlac, 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 comme ça. Donc là, tout ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, vous allez dire, ouais, il n'y a pas un truc pour faire pour éviter que quand ça se ferme, ça fait ça. Alors, j'ai envie de vous dire, non, écoutez, si je pense que si vous êtes un minimum intelligent, vous allez, quand vous allez faire la rotation de votre couvercle, vous allez le faire avec Shift. Histoire de faire une certaine cohérence et pour le fermer également, comme ça vous avez juste à mettre sur Shift, petite ellipse évidemment. Re, chers amis, donc je vous disais donc, ici vous pouvez descendre ici comme ça et il est revenu à sa position initiale. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser son intérieur. Donc pour creuser son intérieur, on va sélectionner en matière de face ici, on va sélectionner hop. Tout ce qui est comme ça, tout le noir si vous voulez. Et on va le descendre. Ici comme ça. Voilà. On va le descendre comme ça. Ensuite, je vais sélectionner. Enfin, le descendre. L'outil extrusion. En faisant clic droit, extrusion. Et là, maintenant, tout ce qu'on a à faire, ça va être à descendre notre sélection. J'ai pas tout sélectionné. Fantastique. Donc, précédent. On va ajouter. Voilà, en appuyant sur Shift. Hein. Historique des outils. Extrusion. Là maintenant, je le descends. Alors de combien on va le descendre? On va le descendre de. Donc là en fait on va le descendre de 200 à chaque fois. De manière à ce que. Pas de 200, excusez-moi, de 12,5 de moins 12. 5 manière à ce qu'à chaque fois comme ça il nous créera une arête donc moins 12,5 on fait un petit bidouillage moins 12,5 voilà donc vous faites ça à chaque fois sinon au pire vous pouvez faire un gros décalage avec quelques petites subdivisions mais vu que j'ai la flemme de calculer voilà quoi. Donc au pire, maintenant vu qu'on est bien devant, faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 fois 2,5, donc. 6 fois 12,5, 75, on va faire moins 65. Et en subdivision, 6. Voilà, 6 fumier. 6, merci. Logiquement, on nous a fait tout ce qu'il faut. Voilà, c'est pas exactement comme je l'avais dit, ça veut dire qu'il doit y en avoir que 5. J'ai coupé ma connexion internet comme un con, excusez-moi. Bon, ça doit être 4, alors je sais pas. Ouais, voilà, je crois que c'est 4. Donc, une fois qu'on a fait ça, le coffre, je trouve qu'il est assez profond, comme je trouve qu'il est assez, il est bien comme ça. Hein. Donc là, du coup, on va devoir régler un petit peu les textures. Alors pour régler un peu la texture, je vais vous dire très honnêtement. What the fuck? C'est pas beau ici.
Donc pour régler les textures, j'ai pas vraiment pensé à comment je pourrais faire. Mais écoutez, j'ai envie de dire, on va essayer ça tout de suite, hein. On va prendre notre face comme cela. Allez, hop, c'est parti. Hop. En faisant bien attention de ne pas prendre la face du bas, et on va essayer de mettre celle-là. Et on va ajouter les carreaux Y de manière à ce qu'elles soient. Ah, donc parce qu'il y a des carreaux X. Des carreaux X. Oh là là là, oh là là là, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Alors, ça, c'est le gros problème de l'extrusion, c'est qu'après les textures, c'est impossible à les faire. Donc, je vais faire une petite ellipse pour trouver comment faire. Allez, à tout de suite. Re, chers amis, eh bien, me revoici. Je suis de retour. regardez la date, hein, une journée entière après. Hein, et donc, ça m'a permis notamment de dormir déjà et de trouver la solution à notre petit problème. Donc, la solution. On va pas enlever l'extrusion, on va la laisser. Mais ce qu'on va faire en revanche, c'est que l'extrusion, en fait, elle nous crée une sorte de copie des côtés qui sont ici. Oups. Voilà. Elle nous crée une copie des côtés qui sont ici. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait des côtés propres qui aient leur propre texture. Donc ce qu'on va faire, regardez bien, on va sélectionner tout le cadran avec notre outil de sélection brush, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et on fait tout le tour comme ça, on sélectionne que ça et on le supprime. Hop, voilà. Donc maintenant on va créer un plan. Donc un plan ici. Alors ce plan, il va faire en taille 10 fois 12. Oh, j'arrive pas à taper sur mon clavier. 12,5. Et là, il va faire 7 fois 12,5. Pourquoi cette taille-là? Tout simplement parce que hors caméra, j'ai compté de manière à ce qu'il y ait suffisamment enfin, j'ai compté le nombre de pixels, si je peux dire, que j'avais mis dessus. Donc, logiquement, ça devrait à peu près faire ça. Et donc là, j'avais dit que ce segment de la largeur, il y en a 10. Segment de la hauteur, il y en a 7. Donc, dans le même. Voilà. Et donc maintenant, je vais retourner ça. Je vais le faire pivoter comme cela. 90. Et je vais lui appliquer une des textures. Donc, je sais pas laquelle je vais lui mettre. Hein. On va lui mettre laquelle? Texture. On va lui mettre une texture haute. Enfin, qui a une texture du bas. Donc, on va lui mettre celle-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Attendez, je vais le décaler. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est pas super. C'est pas super, tout simplement parce que déjà bah, ici il y a un petit cerclage et nous on n'en veut pas. Donc ce cerclage on va l'enlever, hein. Donc on va faire. Tenez, regardez ce qu'on va faire. On va ruser un petit peu. On va mettre 0,87. Ouais, à peu près. Et là, on va décaler le X. Voilà. Et là, du coup, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai tout simplement modifié le carreau. En descendant le carreau, ça modifie plus ou moins la longueur de manière plus facilement qu'avec les pourcentages. Donc, c'est un truc que je peux vous conseiller. C'est une bonne alternative. Donc là, on va laisser augmenter encore. On va faire à peu près comme ça. Ensuite, on va le descendre. Et là, on est à peu près pas mal. Donc, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que on ait à peu près des carrés. Donc, pour avoir des carrés, on continue comme dans le même style qu'on est parti, hein. Là, c'est pas encore ça. Comme ça, à peu près. On va le monter. C'est encore trop grand. On va le monter, c'est encore un petit peu trop grand, j'ai l'impression. Ouais, un tout petit peu trop grand. Plus petit, plus petit. Et là, on va le monter un peu. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, placé comme ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant, on va changer le décalage comme ça, de manière à ce que ce soit plutôt pas mal cadré.
Voilà. Donc là, on a à peu près. Bon, je dis bien à peu près, hein, parce que c'est pas exact. On a à peu près un morceau comme ça, donc on va pouvoir mettre ça à l'intérieur. Donc oui, je sais, c'est pas le top du top, mais bon, ça peut être pas mal. Alors, maintenant, on va devoir le placer à l'intérieur. Donc, hop, on va venir le mettre ici, on va venir le replacer ici. On va le décaler pour qu'il soit bien comme ça placé à peu près. On va passer en mode une autre vue. Pour l'instant, on va passer sur une vue de haut. Comme ça, je vais pouvoir le caler dans le bon axe. Donc, donné que du coup, je sais pas où est-ce qu'il se termine, ça va être pratique. Que faire? Alors là, regardez ce qu'on va faire. On va berner un peu l'ennemi, si vous voulez. On va repasser en sélection cubique ici. Enfin, d'objet. Je vais sélectionner. Ah, ça fait partie de l'objet. Ah merde, j'ai l'air bête là. Donc non, je peux pas. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va juste faire ça de manière. Tant pis, on va faire ça autrement. Hein, c'est pas grave, on va dire. On peut pas toujours être parfait à ce niveau-là. Donc logiquement, ça doit être à peu près à ce niveau-là. Ouais, voilà. Donc on va le placer sur ce petit segment-là. Donc je vais juste modifier un peu la tronche des vues. Hein. Voilà, pour l'instant je prends ce qui m'intéresse. Hop, et là vous voyez qu'il est trop bas. Donc on va le remonter. C'est vraiment parfaitement au même niveau. Parce que sur les rendus, on ne sait jamais. J'ai envie de dire des fois ça peut pas se voir, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais hein, ce qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que je fais encore le parano. Voilà. Et là, normalement, il est bien placé ici. Donc maintenant, on va devoir le placer également sur l'autre axe ici, comme ça, pour qu'il soit bien. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Voilà, c'est bon, il est bien aux bonnes extrémités. Enfin, il est bien placé au niveau des extrémités, surtout vraiment. Ouais, ça me paraît bon. Donc maintenant, on va devoir le placer au niveau de la hauteur. Niveau de la hauteur, il est un peu trop bas, j'ai l'impression. Donc, on va devoir le monter. Donc, on prend le bleu, on va le monter un petit peu de quelques crans. C'est pas le bon. Merci. Voilà le bleu. Donc, on va le monter. Alors, voilà, on va le mettre à peu près au même niveau. Je suis rendu. Ah oui, d'accord, il faut que je les veuille mettre. On est un peu embêté par le couvercle qu'on va enlever tout de suite. Voilà. Voilà. Là, on aura déjà moins de soucis. Alors, je reprends mon plan. Est-ce qu'il est bien placé? Ouais, le plan. Ah, quoique, attendez. Oui, le plan est à peu près bien placé. Donc, alors, maintenant, le petit truc qui va être un petit légèrement problématique, c'est le fait que vous voyez ici là, à ce niveau-là, je sais pas si vous voyez, c'est voilà ici, je sais pas ici, il y a un petit écart. Donc, on va devoir corriger cet écart tout simplement. Alors, on va essayer de modifier un peu la profondeur. Je sais pas si ça va être faisable. Mais si, remarque, ça doit être faisable facilement même. Logiquement, ça devrait être faisable. Alors, laissez-moi faire un petit essai. Donc, on n'aura même pas besoin d'outils spécifiques. Normalement, le simple fait de modifier le placement avec ça va me permettre de faire tout correctement. En espérant que ça ne va pas déformer. Non, c'est bon. Voilà. Donc ça c'est bon. Là on a fait ça, on est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste plus grand-chose à faire. Hein. On va juste prendre ça, copier-coller. Ctrl C, Ctrl V. Comme cela. Donc là il est un petit peu mal cadré, vous voyez.
Donc, enfin, c'est un peu normal étant donné qu'ici il y a ça, donc voilà, mais juste ici, bon, c'est encore un petit peu mal, on va essayer de le repositionner un petit peu. Voilà, très très légèrement. Qui dépasse pas non plus trop. Voilà, on va voir si c'est ça qui dépasse. Ah, il dépasse un petit peu là, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on doit le redescendre un tout petit peu. Très légèrement. Est-ce qu'il est bien mis là? Bon, là il me paraît à peu près bien. Donc maintenant on a ça, on va le prendre. Au passage, je vais juste monter un petit peu celui-là aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'ai? D'accord. Donc là en fait là c'est surtout du réglage assez détaillé de manière à ce que vous puissiez avoir un coffre relativement pas dégueulasse et que ça fasse pas travail bâclé. Hein. Et là normalement ça me paraît assez bon. Hein. Ouais, par en bas je sais pas ce que c'est un peu bizarre. Alors là vu qu'en bas c'est un peu sombre on va mettre une lumière dedans. Voilà tiens elle apparaît déjà dedans c'est parfait en plus. Voilà et je vais voir qu'est-ce que c'est que ce bazar ici. Ah d'accord, bon, pas de soucis. Donc là on est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir l'autre côté. Donc contrôle copier-coller. Pivoter. 90 degrés. Donc encore une fois, il faut le rapprocher un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Donc là ça c'est chiant, il faut. Ah mais. Le problème il vient de quoi? Attendez une petite seconde, laissez-moi regarder. Juste de quoi vient le problème. Donc quand c'est comme ça, vous voyez ce que je fais. En fait, je suis en train d'essayer de simplement de regarder. Ah d'accord, je trouve d'où vient le problème. Donc là, en fait, c'est parce que le truc est trop orienté vers la droite. Donc on va le mettre un petit peu à gauche. Voilà. Et là, logiquement, il ne devrait plus y avoir de problème à ce niveau-là. Oh bah s'il y en a encore un. Oh mais ça commence à m'énerver ça. Donc, seul petit truc un petit peu dérangeant ici, c'est que là ça va faire un truc un peu pareil, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Donc là, du coup, on va devoir le rapprocher comme cela, il me semble. Voilà, parfait. Encore un petit peu. En rendu. Voilà, c'est bon, maintenant c'est ici que ça fait chier, forcément. Alors, où est le problème? Donc, ce problème vient de lui. C'est lui qui fout le problème. Donc, on va également le décaler un petit peu. Sur la droite. Très très peu. Légèrement. Voilà. Est-ce que le problème était corrigé? Toujours pas, c'est même pire. Qu'est-ce que c'est que ce. Aucun problème, c'est qui me paraît relativement bizarre, je n'arrive pas à voir lequel pose problème, j'arrive pas à voir c'est lequel. C'est assez énervant ça. Ah j'ai ouvert ça, il y avait.
Voilà, là c'est bon, mais le problème c'est qu'ici du coup il veut plus le mettre, donc il faut faire vraiment. Et si ça marche pas, bon bah je vais faire ça à la barbare, mes chers amis. Regardez ce que l'Hextech va faire. L'Hextech va faire ça comme un sagouin. Je vais prendre le scale et je vais faire juste ici comme ça. Un petit coup comme ça. Je descends. Voilà, et là ça se voit pas comme ça. Et bim. Voilà. Bon, ça fait un petit décal. Putain, ça se voit encore, mais c'est pas possible ça. Alors, Alex commence à être vulgaire parce qu'il en a marre et qu'il est pas de bonne humeur. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que cette merde? Déjà. Merci. Bon. Je vais le replacer à la bonne taille. Voilà. Ça se trouve, c'est lui qui aime le placer en fait. Tout simplement. Étant donné que je l'ai copié-collé à partir de l'autre. Oh non! Alors, ah oui, en fait, c'est lui qui va le placer. Je vais le placer comme un porc celui-là. Comme ça, un petit peu à gauche. Bon. Voilà, hein, on va dire que c'est bon. Avant que je m'énerve, contrôle CV, le dernier côté. Alors voilà, tu vas me le placer gentiment ici correctement, merci. Voilà, il y a un gros truc qui fait complètement porc alors que ça fait juste un petit endroit. Il fait complètement ce qu'il veut, c'est pas grave, ici je suis sûr que ça va encore couper comme un porc. Voilà, forcément, bon, ça se voit pas trop encore, ça va. Et le problème il est ici. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, hein, fuck it. Hein. J'ai envie de dire fuck, hein, et puis voilà, hein, ça va. Si on va mettre comme ça, puis. Puis ça fait complètement dégueulasse, bon. Alors toi, tu vas pas me prendre la tête, tu vas juste te décaler un petit peu comme ça. Et là, je suis ça va de l'autre. Ça change rien, d'accord. Alors écoutez, le logiciel est en mode. J'ai pas en mode feignasse, hein. Donc on va pas chercher à se prendre la tête, étant donné que. On aura beau corriger toujours ce problème, ça apparaîtra encore. Donc on va pas se prendre la tête, on va faire ça. Je vais réduire la DPI de ma souris de manière à ce que je bouge comme ça. On va essayer de faire un tout petit mouvement. Qui n'a rien fait d'ailleurs. Je remonte ma DPI, voilà. Enfin, je sais pas si ceci est la DPI, mais il me semble avoir vu ça quelque part. Donc bon. Voilà, donc là c'est déjà mieux. Et voilà. Alors maintenant, le seul petit truc que j'aimerais bien faire, c'est éviter qu'il y ait le même côté partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite rotation et faire une rotation à 180 degrés. Oh, c'est ça aussi, c'est parti pour m'énerver là. Rotation, allez. Voilà, merci. Il est capricieux aujourd'hui, je sais pas si c'est le logiciel ou si c'est moi, mais il est capricieux. Alors, là, on va 180 degrés aussi. Et là, comme ça. Voilà. Et là, comme ça. Histoire que ça fasse un petit peu moins pareil de chaque côté. Alors maintenant, le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que le fond, il soit tout comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une texture différente au fond. Parce que je trouve ça plus joli. Voilà, tout simplement. Tout simplement, je vais mettre une autre texture, je vais changer un petit peu, je suis désolé. Si ça vous plaît pas, vous le faites pas. Hein. Moi, je vais modifier un petit peu parce que je trouve ça complètement bizarre de changer la texture du fond. Enfin, de la laisser telle quelle. Donc, je vais en mettre une nouvelle. Ah, je crotte. Il m'a mal tout sélectionné ce fumier. Voilà, je faisais bien tout. On passe le petit coup de peinture, allez hop. Et non, j'ai encore oublié celui-là. Voilà, c'est bon. Alors voilà. Ah, ne me dis pas que j'ai fait la bêtise encore de changer du coup. Crotte. Donc je vais pas pouvoir faire ça du coup.
Et je vais devoir resélectionner encore une fois, en espérant que cette fois-ci, mon cher Cinema 4D ait décidé à arrêter de bugger. On va faire ça proprement. Voilà. Et voilà. Je vais plier. Voilà, là c'est bon. Donc comme ça, j'ai une magnifique texture au fond de mon coffre. Voilà. Et si je fais un petit rendu, vous allez voir que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Donc je vais mettre la lumière plus loin. J'ai une notification Skype, c'est pas grave. On la regarde, je la regarderai après. Ma lumière, on va la déplacer de manière à ce qu'on ait une petite vision d'ensemble du coffre. Voilà. Alors, et voilà, on a un magnifique coffre ouvert avec un fond. Alors, j'aurais pu aussi creuser le dessus. Mais je pense que maintenant que je vous ai montré comment on fait pour le bas, je pense que vous pouvez le faire pour le haut sans trop de problèmes. Moi je l'ai pas fait parce que j'en voyais pas vraiment l'utilité, sauf si vous avez le souci du détail, hein, vous pouvez le faire. Moi personnellement je pense que là le tuto il dure déjà assez longtemps, donc c'est pas la peine de vous le faire. Alors je vais juste régler un petit détail. Spécularité. Enfin c'est la texture du loquet. Donc on va lui rajouter un petit effet de réflexion, tout petit, qui va rendre relativement pas mal. Voilà, on va l'augmenter un petit peu, on va le mettre à 30. Et voilà, ça devrait suffire. Hop, voilà. Alors, donc ça va vraiment pas se voir, mais c'est juste pour donner un petit effet sympa. Vous voyez ici, on a un petit effet qui s'est ajouté. Si je rapproche, regardez. Regardez, attendez. Et vous voyez ici, logiquement, là on voit pas parce que. Avec, il n'y a pas assez de doublage sur la scène, mais logiquement, on aura une petite réflexion de ce qui est autour. Alors maintenant, vous allez me dire comment animer le coffre. Donc, vu que j'ai pas encore fait de tuto sur l'animation, ça va vous faire un petit avant-goût. Donc, ceci, c'est pas le vrai truc, hein, mais après, je pourrais en faire un tuto, effectivement. Enfin, je ferai un tuto, c'est sûr, hein, sur l'animation. Donc, je vais le refermer. Rotation. Du coup, comme un abruti, j'ai pas. J'ai mal refermé. Neutre. Coordonnées. Rotation 0,0. Voilà. Donc, on va faire la petite animation. Donc, ici, on se met à 0. Ici. On sélectionne notre neutre. On va aller. On crée une frame pour dire que au départ, il est comme ça. On va genre aller à 20 frames. On va tourner le coffre. Et on va le mettre. Voilà, parce que si je vais pas faire la bêtise. On va le mettre ouvert à 110 degrés. Et là, on va faire une autre frame. Et là, on fait comme ça. Et hop. Voilà, c'est où aller. Hop. Et voilà, on a une frame. Ensuite, donc vous en avez peut-être toutes les portes qui claquent derrière moi. Je sais pas ce qui se passe. Hein, je ne cherchais pas. Ensuite, on va aller à 40 frames. Et on va le refermer. 110 degrés, frame. Et là, ici, vous voyez que hop, et il se referme. Voilà. Donc après, vous pouvez le laisser ouvert, hein, j'ai envie de dire, quand vous faites une. En fait, après, j'ai envie de dire, la frame, vous la déplacez selon la vitesse où vous voulez qu'il se referme. Comme ça, vous voyez, elle va se refermer beaucoup plus lentement. Voilà. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vais déléter toutes les keyframes parce que je ne fais pas d'animation avec pour l'instant. Et toc, voilà. Et je vous dis à bientôt. En attendant, projet Altoum. Ah oui, projet Altoum ne peut pas revenir tout simplement parce qu'en ce moment on est sur une promotion avec un 1.2 étant donné que Bucky tarde un petit peu à sortir. Et voilà. Donc pour l'instant, la quasi-totalité de nos vidéos sont suspendues. Bien que je cherche une petite série à vous faire tout seul ou avec Falco sur le serveur. Mais bon, je n'en trouve pas. Donc voilà. Allez, salut à tous!